Mais en attendant, c'est parti, mon... Oh, oh, oh. Hein? Ah, ok, d'accord. C'est un légion avec un matos. Qui fait peur. Ah, j'ai les lunettes dégueulasses, donc je jouais plutôt sans les lunettes. Histoire d'avoir un peu plus de difficultés, parce que c'est quand même vachement plus fun. Voilà, là, là, là. La 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 na 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 na. Ça va, petite réparation d'usage, tranquillement. Soit il vient, il me donne un coup dans la nuque. Oh, c'est légion, ça va être long, ça va être pénible. J'ai l'impression qu'on va vécu. Vivre, va revivre un débriefing. Voilà, si on sait, t'attaques. Mon défi, Maya, c'est réparer le moteur. Donc, c'est le défi Steam, quoi. C'est-à-dire vraiment réparer le moteur, quoi. Là. Tout basique au basique. Non, pas pour tout, Elvan. Voilà, et là il va venir m'agacer. Là maintenant, maintenant je mets à peu près 2 ou 3 000 ans pour réparer mon moteur. Incroyable. C'est vrai, c'est pas un défi, incroyable. C'est quand même assez fou, hein. Je sais pas qui fait ça. Réparer les moteurs. Tire des BD. Voilà, là on va passer à peu près 12 millions de milliards de millions d'années. On va réparer un moteur. Waouh, c'est génial, c'était incroyable, on a passé. Ouais. Il est où là? Tu vas même pas m'embêter, hein. Ok, il est à droite. Comme notre pays, donc je vais à la gauche. Contrairement à notre pays. Ok, ninja. Ok, très bien, bossons. Merci beaucoup, Hippocrate. 19 mois de chaussettes pliées. Incroyable. Quel talent. Quel talent. Et pas une seule. Une seule. Une seule respiration de prison. Le gars, pendant 19 mois, il a plié des chaussettes. Est-ce que tu as déjà fait des mardes à partie? Car je suis en train d'en créer une pour un truc de théâtre. Tu as des conseils? Ouais, t'intéresses-toi énormément aux personnages et tu peux pas improviser la contribution des personnages, des PJ à ta murder party. Alors non seulement j'ai participé à des murder parties, mais j'en ai écrit aussi. Et j'ai écrit aussi des pièces de théâtre. Donc, je dirais pas que c'est millimétré, mais c'est beaucoup de travail sur les personnages, les PNJ, sur les thèmes, sur les déroulés. C'est des séquences à la fois libres et en même temps extrêmement maîtrisées sur l'histoire qui se déroule sur les personnages. Les murder parties, pour celles et ceux qui se demandent ce que c'est ce qu'on appelle aussi, communément dans certains jargons, le semi-réel. Le semi-réel, c'est par extension, un grand dans la nature. Oh là là, il va venir me casser les noix. Laisse-moi finir ce moteur. Voilà, très bien. Et voilà. On s'est tellement coincé là, on a fait les trois moteurs du même endroit, du même côté, ça va tellement être nul dans nos vies. Grand dans la nature, donc c'est un week-end ou quelques jours, peu importe, un séjour thématisé dont l'objectif c'est de s'imprégner d'une histoire qui est accompagnée par du théâtre d'improvisation dans une intrigue qui implique quelque chose comme bien plein de gens. Va me casser les pieds. Non, c'est ça. Ouais. Je vais revenir par là parce que c'est sa vie, sa bataille. Allez mon gars, il va venir par là, il va venir par là. Allez.
Non, non, je me suis pas. Il le suit lui parce qu'il m'a jamais vu de la vie là. Il doit se demander si je suis pas son pote Légion ou quoi. Il sait même pas qui je suis. Première fois qu'il me voit. Avec un monoplace ici. Prends les origines chez Agatha Christie. C'est très fun. Hein. Quand tout le monde joue le jeu. Ouais, tout à fait. Elle va être lourde. Hein. Et où? Il sait que je suis là? Je sais pas. Hein. Soit il sait que je suis là et il vient à moi. C'est quoi? Oh, il a touché les trois. Ça va être relou, ça va être long. C'est quoi? C'est un. Oh là là, mais quel relou, gars! Incroyable! Il doit faire une archive en fait, l'autre, hein? C'est l'UNRWA. Pour la date, je n'ai aucune réponse par rapport à la nouvelle saison d'aventure. En revanche, des projets d'émission de JDR, ouais. Je crois que j'avais une petite tête dépassée là. Ouais, de relou. Ça. Le dernier chaussette aussi. Et il sait de quoi il parle, Hippocrate. Il y a un relou là qui arrive, non? Non, c'est un corbeau. Il vient par où là? Ah, elle va venir me casser les pieds là. Hein. Oh, je fais tout le boulot là avec la thanatophobie qui ralentit absolument tout. Et oui, hein. Vas-y, ramasse-le. Voilà, fais ton boulot. Viens par là. Allez, mon gars. Légion relou, mais Légion est tellement relou là. Allez. Dans la cave, très bien, excellent. Attendre qu'il vienne. On dirait qu'il voit pas ma mère. Mais non, mais il me voit pas, il sait pas que je suis là. Mais c'est le. Je pense que c'est le peignoir. Quelqu'un va l'aider ou pas? Allez, non, on va dire non. Hein. Allez. Fin du game. J'aurais fait tout le taf. Oh là. Quelqu'un pourrait l'aider ou quoi là? Allô, va le décrocher là. Hop, on y va. En route vers l'aventure. Oh là là. Il se passe quoi? Qu'est-ce qui se passe? J'ai pas de dard. La mission. Allez! Allez! Non! Quel relou le mec! Non! Trop. Quoi? Pas trop court? Comment ça se fait? Allez, hop là! Je m'en vais de l'autre côté. Hein. Allez! Merci beaucoup, Raven. 6 mois de soutien, encore un mois de plus en compagnie soyeuse et huileuse. Merci beaucoup. Très très bien, merci à toi. Merci infiniment. Il va venir par là, il va être relou, on va devoir partir. Merci pour ton prime. Allez. On peut rien faire. Vas-y, viens, 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 viens. Bon, viens voir. Ouais, j'arrive. Bah ouais. Allez, je vous attends là. Quelle horreur, merci Alessian. Ouais, quelle partie relou.
Salut, Mista. Là c'est plié, le mec il veut juste faire quoi? Voilà, mais quelle horreur cette partie. Hein. Merci, Mista. Merci, Alessiane. Merci beaucoup. Allez, on va venir ici en mode. Allez, go, on y va. En route vers. Allez, viens, 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 viens. Ouais, il fait quoi? Bah, il retourne par là-bas, évidemment. Pour faire quoi? Allez, je vais essayer de te protéger là. Si tu sors, si vous sortez par là, bah, ça va être chaud, quoi. Allez, essayez de sortir par là. Je vous fais éventuellement un bodyguard. En fonction de là où vous... Bon, ok. Quel relou, le mec. Allez, non, c'est. Too dead. Too late. Ouais, le crochet va faire son kill. J'ai envie de dire, il va être heureux. Hein. Allez, on y va. Sans tunnel, je sais pas pourquoi vous dites ça. Vous avez vraiment remarqué un genre de tunnel? Alors, c'est parti, mon. La 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 la. Mais eux, ça n'a rien. C'est quoi ça? J'ai l'impression que c'est une tentative d'intimidation. Hein. Est-ce que vous pouvez faire un tir de taser sur les deux? Parce que j'ai l'impression que c'est. C'est pas très gentil ce qu'il essaie de dire. Tellement triste les licences. Ouais, mais moi aussi, mais Bloody Roar avait tellement du potentiel dans le paysage de combat. Ils sont rares, hein, les. Même Killer Instinct, hein, il a pas été. Il a pas duré. Hein. Altered Beast. Altered Beast, c'est pas vraiment le même type de jeu. Altered Beast, c'est plus de l'arcade, plus. Oh là! Eh oh, oh! C'est de nulot ça! Juste un QTE basique à réussir! Alter Abyss qui était vraiment une référence en la matière. En revanche, Bloody Roar c'était du frais combat quoi! Frais combat, il y avait des vraies strats. Après, Fenlong, c'était un personnage, il y avait quelques personnages un peu broken qui. Avec une genre d'infini combo quoi, avec des personnages cachés quoi. Et quand tu maîtrisais le truc, ouais, t'avais vraiment des personnages qui pouvaient être très violents. Et c'était à l'esprit, hein, parce qu'il y avait. En plus, à l'époque, il y avait le jeu de rôle Vampire la Mascarade et Loup-Garou. Et avec les transformations de Garou, tout ça, c'était vraiment exceptionnellement coolissime. Tu as connu In Memoriam? Ça me dit quelque chose, vite fait. Hein. Non, pas de swag. Ça. Et Bloody Roar, vraiment cool. Et les transformations étaient tellement. Et il y avait des sortes aussi de d'ultime. Il y avait des sortes d'ulti avec les Bloody Roar. J'ai pas compris pourquoi la licence n'a pas été poursuivie. Mais ça sent le gâchis bête et méchant en fait. Ouais, Resident Evil, mais c'est pas la même chose, je crois que c'est Resident Evil Nemesis ou un truc comme ça, enfin, je sais plus comment ils appellent ça, mais il y a un Resident Evil type DBD, avec quelqu'un qui va jouer le Game Master, qui va maîtriser les pièges via les caméras, les zombies et tout, qui est à l'étude, et les autres qui sont les survivants. Merci Kiro. Light Crusade. Ne serait-ce que pour la musique. Ah, ça me dit rien comme ça, Light Crusade. Mais ouais, ça. Merci pour les 5 mois de triage de chaussettes. Merci beaucoup. Très très merci à toi. Voilà, Resident Evil. Projet Résistance. Exactement ça. Eh ben, ça me chauffe pas mal. Ça a les mêmes codes
Elle est là! Ça commence à chiffrer 20 mois de triage de chaussettes, mon gars. Incroyable. Merci infiniment, Bruce, pour ton soutien et pour ta présence. Merci beaucoup. Merci, Bruce. Pour absolument tout. Très, très grand merci à toi, Bruce. Merci beaucoup. Merci, Murazor. Merci pour les 10 mois de soutien et de triage de chaussettes. Merci beaucoup. Ça fait... C'est très excitant dit comme ça. Hein. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et Bloody Roar, ouais. Je sais pas. Je vais finir le modeur ici. Hein. Il y en a un qui est poursuivi, l'autre il va aller le sauver. Ah, il y en a un qui est tombé, l'autre est trop loin. Si j'y vais, ça va être problématique. Bruce, félicitations pour la vidéo sur le Big Bang, même si. Là j'ai un sacré lot de vidéos à faire. Ah ouais, il a beaucoup bossé. Ok. Bon, pas mal ça. Ah, deux, il y en a un qui va être chassé. Deuxième, il va venir au secours de l'autre. J'adore trier les chaussettes. Ouais, je fais le taf. C'est... Au moins, ce qui est intéressant, c'est que je vois qui fait quoi là. Et il y en a un qui loot. Mais regardez, oh, regardez, il loot à côté de l'autre, qui est en train de se vider de son sang. Bah heureusement qu'il va l'aider dans les yeux. Merci Black pour les 22 mois de triage de chaussettes. Merci infiniment. Très très merci à toi. Ah, il retourne vers l'autre, hein. Il retourne vers l'autre. Allez, décroche-le. Waouh. Allez, mon gars. Allez, salut. Merci Fonis pour l'essai de ma soutien. J'attends qu'il retourne par là-bas. Voilà. Là, je l'ai vu, il retourne par là-bas. Merci pour les 7 mois de triage de chaussettes. Merci infiniment. Très grand merci à toi. Je sais pas ce que fait le dernier. Hein. Oh, je vais chercher la trappe. Chouchou. Ah, le train de la hype qui est de retour! Incroyable! Voilà! Tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi? Parce que moi je vais aller chercher la trappe, mon gars. Allez! Abonne-toi! Allez! Ah, très bien! Parfait. Oui, bonjour. Bonjour. Peste rouge. Peste bleue. Oh. Neige point vu. Myers. Ok, qui est parti par là-bas, très bien. Pourquoi pas. Bosson, bosson. Nuit d'Arabie en Perse. Non, ça serait... Ça serait trop une mise en abîme. Je pense que j'arriverai devant une erreur 404. La version iranienne d'Aladin. Ça y est, je réfléchis aux paroles. T'as mis quoi dans mon esprit? Ça met dans mon esprit. Nuit de la vie, au parfum de velours. Non, pardon, excuse-moi. Arrête de. Ouais, il me suit, hein. Ok, ça sent le P3. Hein. Coucou, mes coups.
a mis tellement de temps pour passer en P2. Mon gars! Ça sent le P2 infini, hein. Comme un homme québécois m'a fait pleurer Disney. Oh là là, mon dieu. Est prête à voix de Scar. Désolé! J'étais en train de lire le chat hein, qui était en train de m'induire en erreur en me parlant des chansons québécoises. C'est la faute du chat. Oh, elle est claire, elle serait ton meilleur ami. Arrête! Il va passer en P3 là, dans mes fesses, direct. Il sait. Évidemment, rien à voir avec la banque. Bah, qu'est-ce qui. Oh là là. Bonjour, bonjour, le soleil. Lâche-moi! Trop court pour moi, trop court pour moi, trop court pour moi. Trop court pour toi, trop court pour toi, trop court pour. Ah non, ah non. Oh non, tes yeux. J'ai été tracteur bloc, hein. Non, baril bloc. Le blanc. C'est bon, vous l'avez. Venez me sauver. Allez. Faut un bloc. Je n'en avais pas fait tout un. Excellent. Et il veut passer en P3 là, s'il va passer en P3 illimité. Eh oh. Oh mais non, mais fais pas ça, nom de Dieu. Fais pas ça. Mais non. Ah, fais pas ça. Qu'est-ce que vous faites? Oui. Non. Oh oh. Ouais, voilà. Ah. C'est en P2. Et bah ça, on est limité, ça. En P2 pour qu'il voit les auras. Non, bah du coup, en l'occurrence, non, il va passer en P3 limité, là. Ouais, parce que, en l'occurrence, ça décourage le truc, hein. Ce que j'ai fait, le décourage, simplement. Oh non, l'autre, mec, s'il a fait, l'autre. Il a voulu faire un bodyguard, un body block. Pourquoi il a fait ça? Maintenant, il va le ramasser. Oh là là. Tout ça pour ça? Oh, mais peut-être qu'il était avec un tombstone pour essayer de nous exécuter avec un Z majuscule. Oh. Oh, pourquoi il a fait ça? Bah, il va accrocher le deuxième et le troisième, il va aller le récupérer. Allez, troisième, tu vas le récupérer, tu peux le faire. Allez. Bah voilà. Mais comme c'est du genre campeur, il va plutôt le retourner vers l'autre. Hein. S'il vient vers moi, il oserait jamais. Pff, jamais il ferait ça. Jamais. J-A-mais. Jamais. J'arrive. Ah, qu'est-ce que je disais? Allez, il est là. Pa 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 ra 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 ra. Oui, j'arrive. Je vais, avec un peu de chance, ce qui va pas être le cas, je vais te venir te récupérer avant la P2. Mais tu vas passer en P2. Juste. Soigne-moi par contre. Alors, pour ma défense, j'aimerais juste souligner que je suis le seul à être venu en s'en aide. Le seul.
Seul, alone, hein? Seul. Hein, bon. Et qu'est-ce qu'il faisait Rick Hunter à ce moment-là? Réponse. Bon. On fait quoi, hein? Oh, et il retourne là-bas. Bah oui, il retourne là-bas, je vais aller voir avec Steve. Steve. Excellente cette idée de... Hein? Très bien. Très très bien, très très bien, très très bien. Est-ce que vous sentez le Noël de Myers? Non, mais non, c'était une question. Oui, désolé, j'étais déconcentré par l'absence totale de réponse. Alors par contre, j'ai une bonne et mauvaise nouvelle, Steve. Ça, c'est la mauvaise nouvelle. Ah, cher ami. Voyons. C'est vraiment un tueur en série? La 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 la. Pa-pa-ra-ra. Bonjour. Rendez-vous. La 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 la. Na 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 na. Toujours merci pour les 666 mois de chaussettes triées. Quoi? Oui! Oh, double oui! Très bien, c'est ce qu'il faut! Eh, c'est bref, merci pour tout. Merci à toi, Joujou, pour ton soutien à la chaîne et de permettre à cette chaîne d'exister et d'entreprendre des projets foufou, notamment ce qui concerne tout ce qui est jeu de rôle. Ok. Ok, tu suis l'autre. Bonne idée. La 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 la. La 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 la. Ok. Bah viens, Steve. Non, 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 non.